Vas-y, je te laisse. Ok, on commence. Salam alaikum, kulchi, ashkhbakom. Alhamdulillah, ça va, ça va. Salut. C'est Bouchra. D'accord. Alors, comme on a dit, aujourd'hui, on va avoir la quatrième session de la formation. On va parler beaucoup de tout ce qui est coloration blonde-mi. Et éventuellement, les deux poudres éclaircissantes, la PPL9 et la poudre en argile. Alors, on s'appelle le blonde-mi, c'est un concept nouveau, dédié pour les blondes. D'ailleurs, smia diallo, les blondes, pour tout ce qui est blond. Alors, mjmoua, les colorations, faire deux types de poudre, éventuellement faire les soins de cheveux. Alors, à d'inchofouche, normalement, un petit yézet. Il y a une blonde mi ou maquinish jiahra. Alors, une tièse l'oul ou la gamme blonde mi, la technologie renforçatrice et créatrice de liaisons dans les gammes de coloration et de soins. On n'est pas obligé de mettre n'importe quel protecteur pour les cheveux du plex parce qu'il est intégré par défaut dans les poudres éclaircissantes, dans les soins et éventuellement dans la coloration. Et cette formule, elle est à la part but de réduire la casse des cheveux pendant l'éclaircissement. Donc, un ombré ou une décoloration ou la démèche ou un balayage, ça on le sait tous, le cheveu reçoit quand même un coup. Alors l'avantage qu'on a avec Blonde Mi, c'est que la technologie renforçatrice, elle est intégrée par défaut. Et cette technologie aide beaucoup le cheveu grâce à l'acide succinique de protéger les cheveux pendant l'éclaircissement et pendant la coloration et de recréer à nouveau des ponts disulfuriques, des liaisons à l'intérieur du cheveu. Donc les liaisons, c'est ça. Si vous voyez très bien dans mon écran, les liaisons des cheveux, c'est les trucs en bleu. Et pendant l'éclaircissement, ces liaisons, on les casse. Alors le but de la technologie, c'est de recréer ces liaisons et de les protéger pendant l'éclaircissement. Alors, grâce à l'acide succinique, alors liaisons sont protégées pendant tout service technique, que ce soit la coloration, éventuellement la décoloration. Alors là, on va en parler de la poudre compacte décolorante PPL 9+. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé la poudre compacte Blonde Mi? Des gens qui sont parmi nous? Elle vient d'arriver sur le marché, Hicham. Donc, ça fait la première semaine qu'on vend. Donc, je ne pense pas qu'il y a des personnes qui ont encore testé. Super. Mais Hicham, elle arrive là. Ce que tu appelles la poudre PPL, c'est la poudre 9 temps. Ouais, 9 temps, ouais. Ah non, la 9 temps, on l'a depuis des années. Ah, je parle de la poudre argile. Non, je parle de la poudre argile. Ouais. Non, je parle du 9 temps maintenant, on va en parler déjà. Ah, excuse-moi, oui, c'est tout le monde qui est... Ouais. Tout le monde là, normalement. Ah ben, ouais, super. Normalement, c'est tout le monde. Donc, l'avantage... Le produit phare, en fait. Oui, c'est... Pardon? C'est le produit phare. Ah ben oui, c'est le best-seller. Voilà. Ouais. Alors, à propos de la poudre décolorante PPL 9+, c'est une poudre compacte, destiné pour tout ce qui est mèche, balayage,
ombrage, mais avec technologie enveloppée. Alors, on ne peut pas travailler avec la poudre Blondmi PPL en freehand. Quand je dis freehand, c'est à l'air libre. Et ce que je vous conseille, c'est de travailler beaucoup plus la poudre compacte PPL 9+, sous protection, bien sûr, soit l'aluminium, soit du cello, soit du papier mèche. Alors, c'est pratiquement une des meilleures poudres au monde qui a un pouvoir éclaircissant allant jusqu'à 9 tons. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, elle contient des agents déjaunissants. Ça veut dire que la couleur, vous le savez tous, elle est légèrement violée. Elle contient des pigments violets qui vont neutraliser pendant l'éclaircissement le fond jaune. Et éventuellement, elle se mélange avec les révélateurs premium, le 2% qui est l'équivalent du 7 volume, ou éventuellement le 6% qui est l'équivalent du 20 volume pour toute technique, et éventuellement le 9% application hors cuir chevelu uniquement. Ça veut dire quand on désire faire une décoloration avec Blondmi sur tête entière, et que les racines, longueur et pointe, on travaille avec du 7 ou du 20 volume. Et sur les longueurs et pointes, on peut utiliser du 30 volume. Alors, pour la ration du mélange, c'est à partir de 1, 1,5 jusqu'à 1, 2,5. Alors, je répète, à propos de la ration du mélange, ça peut être une dose de poudre pour une dose et demie, double dose ou double dose et demie. Chacun de nous, comment il veut avoir la consistance de la poudre. Il y a des gens qui aiment avoir la consistance un petit peu pâteuse. Donc, on va mélanger la PPL 9 avec une dose, dose et demie. Si on veut une poudre compacte normale, c'est une dose, double dose. Et si on désire l'avoir un petit peu liquide, c'est une dose de poudre avec double dose et demie de révélateur. Mais il y a un point à soulever, c'est comment on mélange la poudre avec le révélateur. On a tous tendance à ne pas peser. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est de peser la poudre avec la balance. Ça, de un. Et de deux, quand on mélange la poudre, on ne doit pas la mélanger comme une coloration. Puisqu'il y a l'air qui rentre, on le mélange après. Après, elle gonfle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce problème? Oui, oui, mes clientes en m'ont dit ça. Oui, j'ai eu la volonté personnellement. Ouais, il y a pardon, allez-y, madame. Oui, je vous entends. Allô? Allô, oui. Bouchard, non, mais j'ai dit oui, j'ai des remontées des clientes qui m'ont dit ça. Je demande si vous mélangez petit à petit et tout. On me dit toujours oui, mais il faut le voir hein, pour le croire. Donc, quand on me dit ça gonfle, ça coule sur les cheveux. Ça coule. Oui, une minorité, hein. Ça devient liquide, trop liquide. Voilà. Alors, déjà, Blondmi, elle est trop technique. Comme il y a beaucoup d'ingrédients qui sont dedans, il y a la technologie renforçatrice, il y a des agents déjaunisseurs. Alors, pendant que vous mélangez votre poudre avec le révélateur premium, il faut aller doucement. Il faut mélanger doucement avec délicatesse. Si on mélange quand on mélange une coloration, c'est tout à fait normal que la poudre va gonfler. On est d'accord? Oui, d'accord. Mais même pour le mélange, on peut petit à petit rajouter l'oxydant. On fait le mélange une fois et puis... Oui, on peut, oui, au fur et à mesure. Mais le plus important, c'est de ne pas trop remuer la poudre. Ok, ça va.
Merci. Donc, si on la remet beaucoup, on la remet, c'est tout à fait normal que ça va gonfler. Que ce soit Blanc Demi, que ce soit Igora Variant Blanc Plus, ou que ce soit n'importe quelle poudre, si on la remue comme on mélange une coloration, c'est tout à fait normal que la poudre va gonfler. Alors, revenons à nos moutons. Alors, on disait que la ration du mélange, c'est à partir de 1,5, 2 jusqu'à 2,5. Et comme vous voyez, je n'ai pas cité du 40 volumes, parce qu'il y a une condition où on peut utiliser du 40 volumes. Alors, comme elle a dit Rania, je vais vous dire un petit secret, c'est que pendant votre diagnostic avec votre cliente, il faut lui demander la dernière fois qu'elle a fait un lissage, que ce soit une protéine ou kératine. Alors, vous savez pourquoi? Alors, parce que tout ce... Oui, ça ne tient pas. Rien ne colle dessus. Bon, il y a Madame Boroga, elle veut dire quelque chose, mais on ne l'entend pas. Hichem, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais il y a des coupures de votre part. C'est-à-dire, il y a des coupures de parole quand tu parles. Je ne sais pas si c'est vous ou... Non, moi c'est tout le monde qui a le même problème. Je sais pas si... Bouchra, c'est toi qui pars et qui reviens. Ah, d'accord. Donc, c'est moi. Merci pour l'info. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on doit faire très, très bien un bon diagnostic. Ça veut dire que la cliente, si auparavant, elle avait fait un lissage, que ce soit de la kératine ou de la protéine, il faut espacer minimum entre 15 jours et 20 jours entre le lissage et les mèches ou le lissage et l'ombré. Pourquoi? C'est tout? Parce que tous les lissages, qu'est-ce qu'ils font? Ils enrobent la tige capillaire. Donc, quand on désire décolorer, la poudre, elle trouve un bouclier autour du cheveu. Donc, on a tendance à avoir notre ombré taché, avec beaucoup de taches. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce problème? Moi, personnellement, j'ai eu ce problème. Ouais. Pardon, c'était une mariée. Je lui demandais qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez mis quelque chose, du henné, un lissage ou quoi que ce soit. Elle m'a dit non. Alors j'ai commencé à travailler. Après la moitié de la tête, j'ai vu que c'était un peu bizarre. Ça ne prend pas comme d'habitude. J'ai l'habitude de travailler avec Blanc Demi. Mais là, je voyais que le cheveu gonflait un peu et ça ne donne pas la couleur que je voulais comme d'habitude. Alors je lui ai dit simplement, dites-moi ce que vous avez fait. Elle m'a dit, j'ai fait une kératine. Voilà. Ouais. Donc, il faut toujours se soucier et faire un bon diagnostic et demander à vos clientes si auparavant, elle a fait une kératine parce qu'elle a tendance à ne pas réagir. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, moi, d'habitude, ce que je fais, je commence toujours par le balayage ou les mèches. Après, je fais ma protéine ou kératine. Oui. Et là, je connais des personnes, elle fait la protéine, après elle fait un balayage normal. Mais pour moi, j'ai toujours peur de faire ça. Non, vous avez raison, vous faites votre balayage, mais le comble, c'est quand on fait la protéine après le balayage, la couleur, elle devient orange. Voilà. Tout dépend du produit. Mais moi, je connais une personne, elle le fait très très bien, fond d'éclaircissement net, le cheveu en bonne santé, je n'arrive pas à comprendre. Ben, c'est peut-être chaque marque diffère au niveau des lissages. Alors déjà, au niveau du lissage, quand on désire faire un lissage sur un cheveu pré-éclairci, déjà la couleur du lissage doit contenir des pigments violets. Oui. Donc si le lissage il est blanc, c'est à 99% la couleur va devenir orange. D'accord. Et cet orange, il est difficile à enlever. Oui.
Donc, il faut faire très, très, très attention avec ça. Okay. Hicham, même avec Goodbye Orange, ça ne s'enlève pas. Oui, oui. Non. Bon, goodbye Orange va nous aider éventuellement après les protéines. C'est vrai, c'est une très, très bonne question. Va nous aider à enlever et à neutraliser ce fond orangé qui ne va pas après un lissage ou après une kératine. Éventuellement, ce qui est bien, ce qui est recommandé ou plus, c'est de, après des mèches ou un balayage, d'utiliser toujours le Goodbye Yellow. Parce qu'il y a le blanc de nuit, il faut qu'il aille après le Goodbye Yellow. Alors, le Goodbye Yellow va nous neutraliser notre fond jaune, mais à condition que le fond d'éclaircissement soit uniforme. Donc, on va utiliser le Goodbye Yellow et ça va nous faire une pré-patine. Ça veut dire qu'on va préparer le cheveu à recevoir la patine. Et éventuellement, avec le Goodbye Orange, on peut l'utiliser quand on a un fond orangé qui est sorti après un lissage ou après une kératine. Alors, là, on va parler de la poudre à base d'argile. Alors, c'est une poudre décolorante premium, performance. Elle protège les liaisons du cheveu pendant le temps de pose. Alors, ce qui est bien dans cette poudre, c'est que la formule est argileuse. Donc, elle est plus compacte et elle est beaucoup plus destinée pour les techniques à main levée. Alors, quand je dis les techniques à main levée, ça veut dire des techniques à l'air libre, sans aucune protection, sans aluminium, sans cellophane, sans papier mèche. Alors, cette poudre, elle peut éclaircir jusqu'à 7 ans. Éventuellement, elle se mélange avec soit du 20 volume, soit du 30 volume, soit du 40 volume. Alors, maintenant, on a le choix entre la PPL 9+, sur lequel on peut travailler un ombré sous protection des mèches ou un balayage, tout en mélangeant avec du 7 volume, du 20 ou du 30. Et là, on a la poudre argile décolorante premium performance, que la consistance peut beaucoup nous aider sur tout ce qui est travail à l'air libre. Est-ce que vous travaillez beaucoup des techniques à l'air libre? Oui, le miel, par exemple. Oui. Le miel. Non, je fais souvent le miel à l'air libre. Voilà, à l'air libre. Alors, et l'avantage de la poudre argile décolorante, ça veut dire qu'elle ne va pas nous faire de tâches. Elle ne va pas nous tâcher les cheveux. C'est bien. Ça, c'est un point qui est très, très important au niveau des tâches, parce qu'on a tendance à travailler à l'air libre. On a souvent peur de tâcher les cheveux. Avec cette nouvelle poudre décolorante, là, on peut travailler notre technique à l'air libre, à l'aise, avec un temps de pose qui varie entre 45 minutes jusqu'à 60 minutes, tranquille. Alors, pour la ration du mélange, c'est une dose, double dose. Alors, 1,5 jusqu'à 2 aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions au niveau des poudres? Oui, excusez-moi, Anna, j'ai l'habitude de faire le miel, par exemple, avec du 10 volumes. Anna, pour moi, c'est moins risqué et je prends le temps pour faire les mèches ou le balayage. Alors, est-ce que c'est possible de mélanger cette poudre-là avec du 10 volumes? Alors, déjà, en blonde mie, il n'y a pas de 10 volumes, il n'y a que du 7 volumes. Oui, oui, c'est vrai, oui. Il n'y a que du 7 volumes, mais avec cette poudre là ou 20 volumes parce qu'elle est très, très légère. Ça veut dire que le résultat
que vous aviez avant avec du 10 volumes, vous pourriez l'obtenir avec du 20 volumes tranquille. D'accord, merci beaucoup. Parce que j'ai vu que 7 tons, je croyais qu'avec 20 volumes, ça va trop éclaircir. Non, du tout. Elle est un petit peu lente au niveau de l'éclaircissement, d'autant plus qu'elle contient la technologie renforçatrice des liaisons. Ça veut dire que l'éclaircissement va très, très doucement. D'accord, merci beaucoup. Et mieux contrôlé. Et éventuellement, si on veut un éclaircissement qui est assez poussé, donc c'est là où on peut la mélanger avec du 30 volumes ou éventuellement du 40 volumes. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Avec du 40? Ok. Vous avez dit la dernière fois que le lissage, lorsqu'on fait un lissage avec le protéine ou bien la kératine, on choisit l'oxydant 40 volumes. Vous pouvez m'expliquer plus sur ça? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous avez déjà dit maintenant pour les cheveux lissés, les cheveux qu'ils ont fait, les femmes qu'ils ont fait de lissage? Oui. Avec le protéine ou bien la kératine? Oui. Yeah. On choisit le 40 volumes pour ça? Non, donc, non. 40 volumes pour ouvrir les écarts? Non, jamais. Ok. Non, soit du 20, soit du 30. Je vous ai dit, il y a une seule condition avec laquelle on mélange du 40 volumes, c'est quand on va rajouter le bleach tone, que je vais en parler maintenant. D'accord. Mais... Hicham? Oui, oui. Une question qui pourrait intéresser tout le monde, je voudrais avoir ton avis. Bien sûr. Une précision sur la poudre friante. Est-ce que c'est, si on l'englobe, est-ce que ça sera possible de l'englober ou pas? Voilà ma question. Est-ce qu'on peut l'envelopper ou pas? Ouais. Est-ce que c'est interdit de l'envelopper ou c'est possible? Non, c'est possible de l'envelopper, mais on aura pratiquement le même résultat, Bouchra, qu'on l'a travaillé. Oui, ok, c'est une question que tout le monde pourrait poser, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, c'est si on enveloppe, j'utilise la nephton, c'est clair. Et si je veux utiliser des friandes, j'utilise l'argile. Pour moi, c'est clair. Mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas les techniques air libre. Donc, elle pourra l'avoir et à un certain moment, peut-être qu'elle ne sera pas utilisée. Donc, c'est pour cela que je te pose cette question. Est-ce que c'est-à-dire si elle le fait une ou deux fois ou elle ne fait pas beaucoup de balayage air libre, est-ce que ça serait possible que le produit restant, elle peut faire des balayages enveloppés ou c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Ça veut dire qu'on l'a déjà essayé à l'air libre et j'ai déjà essayé sous protection pour voir éventuellement la différence. Sauf qu'avec la protection, l'éclaircissement il est un petit peu poussé qu'à l'air libre. C'est tout à fait normal. C'est normal, il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur. C'est juste la différence qu'il y a. Alors sinon, si je vais travailler à l'air libre avec du 30 volumes et je vais envelopper mes mèches, je préfère travailler avec du 20 volumes. Donc, je réduis ma force du révélateur si je désire envelopper avec la poudre argile. C'est bon, c'est clair? Oui. Oui. Alors, après, on a le bleach and tone. Alors, le bleach and tone, on peut appeler ça, c'est une crème cendreur. Alors, c'est quoi le rôle de cette crème? Donc, la poudre, elle décolore et cette crème, elle nous permet de nuancer en une seule étape. Alors, ça veut dire... Genre, je vais prendre 30 grammes de poudre blonde mie. Je dois rajouter entre 5 et 10 grammes du bleach and tone avec de la poudre. Donc, le tube diello, l'on diello razrak, mildakhl. Et après, je mélange soit avec du 7 volumes, soit avec du 20 volumes, soit avec du 30 volumes, soit avec du 40 volumes. Mais... Dose par dose.
je répète, si j'utilise la PPL 9+, sans Bleachstone, c'est combien la ration du mélange qu'on a dit? Y a quelqu'un qui peut me répondre? 1 plus 1. Non. 1 plus 1 et demi. On peut aller jusqu'à 2,5. Jusqu'à 2,5. Voilà, très très bien. Mais la seule condition, on doit mélanger dose par dose, c'est quand on mélange le bleach 1 tonne avec la poudre. Oui, oui. Donc, il y a le tube là-dedans, avec le tube, on a quand même tombé à la poudre. On nuance et il aspire en même temps. Non, lui, il nuance, voilà, il décolore et nuance en une seule étape. Ça veut dire que la majorité des résultats, on n'a pas obligé, on n'est pas obligé de faire une patine. Donc, quand on le mélange avec la poudre, c'est 1 plus 1. C'est voilà. Pour donner un éclaircissement et nuancer sans faire de patine. Sans faire de patine. Mais le tube, et on couleur, a. Et la couleur, elle sort comme ça. C'est-à-dire, on ne fait pas de patine, on décolore et en même temps, on neutralise. C'est ça. Voilà, tout à fait. Hicham, s'il te plaît, même sur une base claire ou avec du 40? Non. Non. Sur un 3 ou non? Non. Oui. Ça dépend du fond d'éclaircissement. On peut travailler avec du 7 volume, du 20 volume, 30 volumes. Moi, je vous conseille de travailler avec du 40 volume si on a un cheveu naturel. D'accord. Et le bleach 1 tonne, c'est un produit qui est très, très excellent et qui nous aide éventuellement beaucoup pour les résultats finaux des clientes. Ça veut dire qu'avec le bleach 1 tonne et le Goodbye Yellow après, la couleur, elle est parfaite. Je peux poser une question? Bien sûr. Si on a oublié de mettre le bleach pendant la décoloration, c'est-à-dire on a oublié de le mettre dans le produit de décoloration, comment on va faire? Là, il faut faire une patine. OK. On doit faire une patine soit avec la coloration blonde mi, soit avec Igora Vibrance qu'on a parlé l'autre jour. Je suis nouvelle dans le groupe. D'accord. Mahbabik. Naïsselmek. Mahbabik. Naïsselmek. Donc, le bleach. Pardon, je peux poser une question. Bien sûr. La dernière fois, j'ai une cliente qui est mariée. Alors, je lui ai fait une décoloration avec des mèches. Toute la tête, elle a la base tachassée à 3, châtain foncé. Alors, j'ai suivi les conditions sur la notice et tout. Alors, plus que la moitié de la tête, ça a très bien donné. Après les longueurs et pointes, c'était vers l'orangé. Alors, j'ai demandé, parce que ce que tu as dit, on m'a dit rien. En fait, finalement, elle a avoué qu'elle a fait un défrisage, ça fait longtemps. Ah, ben voilà. Il faut être orangé. Le défrisage, soit être qu'on a le henna. Non, ce n'est pas du henna. J'ai compris que c'était un défrisage ou une kératine. Finalement, elle m'a dit que c'était un défrisage. Elle ne s'est pas coupé les cheveux. Ça fait un moment quand même. Ben oui, ça a resté sur les longueurs et pointes. Oui, c'est bon. Oui. Alors, j'étais obligée de refaire et de faire une autre patine. Ça va, après ça va. Ça va, c'est là-bas. On a fort même. Oui, oui, c'est la majorité des clientes. Il faut faire très, très... Soit on doit faire une mèche test, toujours. Mais des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on est en retard déjà. Le temps de faire une mèche test, ça prend du temps. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Mais pour éviter, quand on a un doute, je vous conseille de faire la mèche test pour rester tranquille. Non, c'est sûr. Moi, je n'avais pas de doute parce que c'était du châtain foncé. Si tu fais qui fait rien sur ses cheveux, ça fait longtemps. Alors... Bismillah, il a commencé à travailler. Finalement, j'ai trouvé un petit truc. Et qu'est-ce que vous avez fait à la fin? J'ai refait un autre mélange avec blonde mi sans le bleach. Après, j'ai fait une autre patine avec l'eyes, le blonde mi. Avec du 7 volume, ça a bien donné. Voilà.
Donc, on disait que le bleach and tone, bon, c'est un produit qui doit être dans nos salons de coiffure pour essayer de patiner et pour essayer de le mélanger avec de la poudre. Tant que la poudre va nous décolorer les cheveux et le bleach and tone va nous permettre de nuancer. C'est bon, vous avez des questions au niveau du bleach and tone? Oui, si vous voulez, une question. Sur le quatrième point, c'est mentionné sur les hauteurs de ton de 3 à 7. Je n'ai pas bien compris. Alors, ça veut dire que je dois mélanger le bleach and tone, sur une base de 3 à 7. Alors, si on le mélange au-delà du 7, tant que le produit il est bleu, donc les longueurs et pointes vont devenir bleues. Vous avez compris? Qui veut dire quand on a une hauteur d'éclaircissement plus de 7 ans, plus de 7. Ça donne le reflet bleu. Voilà, ça donne du reflet bleu, sauf si la cliente désire avoir des cheveux qui sont bleus. Logique. Ok, d'accord, merci. Hichem, une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Quand est-ce qu'on utilise le bleach tone et les nuanceurs? Nougat, caramel, glacis, fantasque. Alors, ça dépend du fond d'éclaircissement qu'on a, premièrement. Parce que si on veut mettre le caramel, bon, ça veut dire que l'éclaircissement ne doit pas être trop poussé. OK. Donc, on n'est pas obligé de mettre le bleach un tonne. Ok, d'accord. Mais pour avoir un glacier, un ice ou un steel blue, là, on peut mettre le bleach and tone parce qu'il nous va beaucoup nous aider au niveau de la neutralisation et au niveau de la pastélisation. Ok, très bien. Merci, Michel. Je vous en prie. Alors, après, oui. Il y a une question pour madame qui nous dit répétez juste le dosage, s'il vous plaît, pour le bleach and tone. Alors, pour une dose de poudre éclaircissante, ça veut dire 30 grammes. Alors, je vais en mettre la même dose de révélateur premium, 30 ml, et je vais rajouter entre 5 et 10 grammes, pas plus. Du bleach and tone. C'est bon? Yani, fach nakhod une dose de la poudre, ndir nefs la dose de l'oxydant, on zid 5 hatta 10 grammes ma had el khalit hada. Yani, je dois utiliser la balance absolument. Ou il a qu'un char fait, il a qu'un char d'yenna fait une hauteur de temps 7, et n'a qu'un dirch le bleach un temps. C'est bon, madame? C'est bon, merci. Alors, déjà, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, on va rester toujours sur Blonde Me. Là, on va en parler sur la crème blondeur à nuancer. Donc, ce sont des crèmes pastel qu'on utilise pour une pastélisation et sur des cheveux qui sont pré-éclaircis, minimum, sur un fond au-delà du 9. Alors, si tu utilises seul, on mélange entre elles. Ça veut dire qu'on... Bouchra, c'est quoi les nuances que vous avez en Algérie? On a toutes les claires, on a toutes les bases claires, c'est-à-dire toutes les neutralisants plus les fashion tones. Et sur les deep tones, on a le nougat et on a le granit. Ah, ok, c'est bon. Donc, ces nuances, si tu lis seul, on peut faire des mélanges entre eux. Ça veut dire pour créer notre propre pastel ou notre propre pastélisation, on peut ça,
jouer avec les mélanges, mais à condition que le fond d'éclaircissement soit au-delà d'un neuf. Le deuxième avantage des crèmes blondeurs à nuancer, c'est qu'ils sont sans ammoniac. Alors, il y a des tendances qui sont froides, il y a des modes neutralisation. Alors, éventuellement, ils se mélangent toujours avec, avec du 2%, 7 volumes, en ration du mélange 1-1. C'est dose par dose. Ça veut dire qu'on a maintenant un embarras du choix au niveau de la patine. Ça veut dire qu'on peut faire des patines avec les 9,5 d'Igora Royal. On peut faire les patines avec les 9,5 d'Igora Vibrance. Et on peut faire les patines avec les crèmes blondeurs à nuancer. C'est bon? Oui. Oui, oui. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Bouchra, est-ce que vous avez les soins des cheveux, Blonde Me? Oui, 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 on a toute la gamme. On a le détox, on a le shampoing neutralisant, on a le riche. Oui, on a toute la gamme en petit format et grand format. Super. Je voudrais bien aussi qu'on parle un petit peu du détox, parce que sur les deux gammes, ça va, mais sur le détox, il y a pas mal de salons qui n'arrivent pas à comprendre à quoi ça sert exactement. D'accord. Donne-moi juste une petite minute. Ben voilà, là on a les soins Blonde Me. Alors aussi, même au niveau des soins, pour compléter la gamme, les shampoings, les sérums, les masques aussi sont à base de technologies renforçatrices de liaison avancées. C'est pour minimiser la casse des cheveux pendant l'éclaircissement. Alors c'est une gamme qu'on conseille à les clientes de se laver chez eux afin d'entretenir que ce soit l'ombré, les mèches ou éventuellement le balayage. Alors, c'est des gammes de soins qui sont personnalisées. Alors, personnalisées parce qu'on a des blancs froids, on a des blancs neutres et on a des blancs chauds. Deuxièmement, l'avantage de ces gammes, c'est qu'ils sont sans sulfate. Ça veut dire qu'on peut les conseiller éventuellement même pour des clientes qui ont subi déjà un lissage protéine ou kératine. Ça, c'est un point qui est très, très important. Alors, avec les agressions externes, le processus chimique, la chaleur, les radicaux libres avec les poudres, c'est tout à fait normal que le cheveu devienne sensibilisé. Et le but de cette gamme, c'est de recréer des liaisons internes au niveau du cheveu, que ce soit dans la partie interne ou dans la partie externe. Quand je dis la partie interne, c'est beaucoup plus tout ce qui est cortex. Et la partie interne, c'est la cuticule. Ce sont les écailles. Alors, un système de soins créateur de liaison avec une technologie créatrice 3D. Du lanthane, un ion trivalent. Alors ça, c'est au niveau de la composition du pH du cheveu. Ça veut dire que cette technologie, elle est très, très importante au niveau de la régulation du pH en recréant des liaisons. Alors, pour le Blanquer système, bon, il y a le shampoing léger. Ça veut dire que pour tout type de blanc léger, il y a le spray qu'on fait avant brushing, éventuellement le masque léger. Deuxièmement, c'est pour le riche.
il y a le shampoing riche. Après, il y a le baume, ce qui fait c'est l'après-shampoing qu'on utilise sur les longueurs et les pointes avec un temps de pause entre 3 et 5 minutes sans toucher les racines et on lave. Éventuellement, il y a le shampoing, il y a le masque riche que la cliente peut utiliser à la maison. Racines, longueurs et pointes avec un temps de pause entre 10 et 15 entre 10 et 15 minutes. Et ça dure combien la patine lorsqu'on fait la patine après une décoloration sur les cheveux des clientes? Ça dépend avec quel produit on a utilisé. Est-ce qu'on a utiliser les toners de Blonde Me ou Igora Vibrance. Alors, c'est 15 minutes, minimum 15 minutes. Okay. Je parle le temps après lorsqu'on fait la décoloration, c'est-à-dire lorsqu'on fait la patine, combien de mois, par exemple, elle reste la patine sur les cheveux de la cliente? C'est au nombre de lavage. Nombre de lavage. Au nombre de... Ça dépend de la sensibilité des cheveux, mais généralement, ça ne tient pas des mois, ça tient des semaines. C'est-à-dire, la cliente, elle est obligée de revenir au salon pour refaire, c'est ça? Oui, pour refaire. Parce qu'en travaillant beaucoup plus le cheveu maghrébin, je ne sais pas si ça vous arrive ou pas. Ben, ici au Maroc, ça nous arrive souvent. Quand on accentue la chaleur avec un brushing ou un séchoir très chaud, la cliente, la patine, elle disparaît après 2 jours. Ça veut dire que la patine, elle ne pénètre pas dans le cortex. C'est pour cela elle ne reste pas. Voilà. Voilà, parce que la majorité des patines, elles sont sans ammoniac. Voilà. Donc, pour une patine, qui veut dire ça dépend de la fréquence de lavage pour la cliente. Oui. Et aussi, tout dépend de la sensibilisation de ses cheveux. OK. Alors, pour le shampoing purifiant qu'on appelle le détox. Alors, déjà, la formule, elle est à base de graines de moringa. Alors, pourquoi ce shampoing? C'est pour qu'il reconstruit et restaure les liaisons internes du cheveu. Ça veut dire que le cheveu est sensibilisé. Donc, on doit se laver avec ce shampoing, déjà pour restaurer les liaisons, parce qu'à l'intérieur, il contient la technologie renforçatrice de liaison. Et deuxièmement, il élimine les résidus. Ça veut dire que si la cliente elle a un cheveu qui est assez gras, il n'y a pas mieux que le shampoing détox pour enlever les résidus au niveau du cuir chevelu, du sébum. Et de trois, ce shampoing, il est fait pour raviver les blancs ternes. Parce que la majorité des blancs, ils sont tristes ou nets, ils sont ternes. Alors, ce shampoing, il peut nous donner de la brillance sur les cheveux qui sont ternes. Et éventuellement, le masque détox qui est destiné pour tout type de blanc, yani à partir d'un blanc foncé, il ravive, il purifie avec des bienfaits antioxydants pour les cheveux et le cuir chevelu. Alors ça, c'est le premier masque de la gamme Schwarzkopf qu'on peut utiliser sur le cuir chevelu. Et la cliente qui a un chagrin ou un midem ou un dessin, yani a le masque, la cliente le cuir chevelu, le gilda. Il y a niveau le shampoing parce qu'il élimine les impuretés, de la pollution, du sébum, et aide à désabsorber les pores et apaise le cuir chevelu. Il y a une qui s'est choué le massin de Fawadchar et laisse les cheveux nourris et brillants. Donc, on a la gamme, je fais un adna. La gamme pour les blancs légers, la gamme
pour les blancs riches. وشفنا لا غام بالنسبه للديتوكس بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر اللي هو غرا. Alors, le temps de pose de masque, oui, le temps de pose de masque sur le cuir chevelure et les cheveux. Alors, le temps de pose, c'est entre 10 et 15 minutes. Est-ce qu'on enveloppe les cheveux ou on les laisse comme ça? Non, on les laisse. On les laisse. Okay. Sans apport de chaleur, ni rien du tout. Okay. C'est parce qu'avec les ingrédients antioxydants, ça veut dire qu'ils nettoient en profondeur le cuir chevelu et ils nous referment les pores du cuir chevelu pour ne plus que le cheveu dégage du sébum. Il va régulariser la production de sébum dans le cuir chevelu. La sécrétion du sébum. Oui. Donc, le masque, il assèche le cheveu. Ouais, ouais. Pour les personnes qui ont le cheveu gras. Tout à fait. D'accord. Donc, on l'utilise après le shampoing. Après le shampoing, bien sûr. D'accord. Et on laisse de 15 à 20 minutes. De 10 à 15 minutes. Ok, parfait. Donc, voilà, notre présentation, elle est finie. Alors maintenant, c'est à votre tour de me poser des questions. Je suis à votre disposition. Moi, j'ai juste, s'il vous plaît, Madame Louisa, c'est bien Hajar, oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Bonjour, Kimada, vous allez bien? Ça va, merci, et toi? J'arrive à reconnaître à peu près, ça fait un bail. Ravie d'être avec nous, madame. Merci beaucoup, et moi aussi. Inch'Allah, je passerai vous voir bientôt. Inch'Allah, marhaba bik. Tout le monde d'ailleurs. Laïsselmek, merci beaucoup. Je vais vous dire un secret. Je passerai vous voir, moi aussi, en Algérie. Inch'Allah, bien sûr, quand tu arriveras, on ira la voir. C'était Manila, c'est une très brave femme. Merci. Like bik. Laïsselmek. Donc, est-ce que vous avez des questions? Même, on va laisser un terme qui est ouvert. Si vous avez des questions sur Igora, sur la poudre, sur les shampoings, avant qu'on finisse notre session. Hicham, une question pour l'utilisation du shampoing détox et sans masque purifiant. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour, au cas de faire un traitement à base de protéines ou kératine? En général, les traitements à base de kératine et de protéines, ils ont leur shampoing. Oui, justement. Est-ce qu'on peut le remplacer leur shampoing par notre shampoing détox? Alors, en principe, chaque gamme de lissage a son propre shampoing. Parce qu'il y a des kératines avec un shampoing qui a un pH qui est assez élevé. C'est pour l'ouverture de la cuticule. Oui. Que le détox, il ne referme les pores. Donc, ce n'est pas vraiment une idée géniale. D'accord. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut utiliser le colle avec la poudre air libre? Oui, bien sûr. D'accord, parce que la dernière fois, Renaud a précisé que ça ne s'utilisait pas. En fait, on ne pouvait pas l'utiliser. Le colle avec la poudre air libre. Quand vous dites le colle, ça veut dire le bleach and tone? Oui, oui, c'est ça. Ah oui. Non, on ne doit pas l'utiliser. On l'utilise sous protection, pas à l'air libre. Ok, merci. Je vous en prie. Hichem, donc on peut utiliser le shampoing détox après les mèches. On peut comme clarifiant anti-résidus. Bien sûr. Pour enlever tous les résidus après. Bien sûr. Des fois, on a tendance à mélanger un petit peu le shampoing détox avec le Goodbye Yellow. Au lieu de le mélanger avec de l'eau, on le mélange avec le détox, c'est pour donner de la brillance. Un pré-patine, voilà, pré-patine. Voilà, une pré-patine, ouais. Merci. Ça veut dire que tous les produits doivent être au salon de coiffure. Et ça, c'est notre cuisine interne. Chacun a sa technique, comment utiliser le shampoing et le masque. C'est juste tout en respectant les règles. J'ai toujours une question dans ma tête. J'aimerais bien la poser pour vous.
Oui. Lorsqu'on fait une kératine, la kératine, c'est un lissage, ce n'est pas un soin pour les cheveux. Oui. Le protéine, on peut dire que c'est un soin parce que le protéine, il pénètre dedans. Même la kératine, elle pénètre dedans, madame. OK, mais la kératine, elle gagne les cheveux. Elle va en enveloppe oui. le cuir chevelu et les cheveux. C'est-à-dire, lorsqu'on gagne les cheveux, rien n'entre dedans. Oui. Comment on peut faire un soin après un kératine qui a gainé les cheveux? Alors, tout d'abord, juste pour votre information, quand on parle d'une kératine qui gagne les cheveux, c'est une kératine avec les dérivés de formaldéhyde ou sans formaldéhyde? Ce qu'on trouve ici en Algérie, des fois, il y a du formol, des fois, non. D'accord. Alors, si la kératine, elle contient du formol, c'est les kératines qui gagnent les cheveux. OK. Et les kératines sans formol ne gagnent pas le cheveu. C'est pour cela que je vous ai dit, après un soin, ou là après un ombré, ou là après un balayage, il faut espacer entre 15 jours et un mois entre la kératine et le soin, ou le balayage, ou les mèches. D'accord. Il faut toujours laisser un espace de temps. Et lorsque les cheveux ils sont déjà kératinés, ils sont déjà gainés, lorsqu'on fait une décoloration, on va les cramer, non? On va bousiller les cheveux. Ben c'est pour cela que au début, quand on avait commencé, je vous ai proposé de faire une mèche d'essai pour voir la réaction du cheveu avec la poudre. Si ça tient. Mon expérience, c'est de faire la coloration ou bien la décoloration ou bien le balayage et après, on fait la kératine ou bien le protéine. Mais avant la décoloration, non, on ne fait pas ni kératine ni protéine. Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison. OK, merci. C'est bon, d'autres questions? Pour moi, il n'y a pas d'autres questions. Ben, je vous remercie. Adjel. Merci. Adjel. Oui. Adjel. Dites-moi, tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose et je t'ai coupé, désolée. Tu voulais dire quelque chose, Coltina, je vais vous donner un secret. Après, je t'ai coupé. Oui. Désolée, Marie, je suis ici parmi vous. Le secret, c'est que je vous ai dit qu'il faut faire toujours une mèche d'essai après une cliente. Oui, qui a non, c'est Bouchard. Non, Bouchard. C'était madame qui voulait nous dire un secret. C'était pas toi, Hicham. Ah, d'accord, ok. Oui, je t'ai vu. Vous avez travaillé maintenant. Vous travaillez maintenant chez Schwarzkopf. Je ne savais pas. On dirait juste 10 jours que je savais qu'il y a un Schwarzkopf ici en Algérie. Et j'ai vu l'intervention que tu as fait chez Beauty Queen Mira. Ah, d'accord. J'ai directement connu. Oui. Ça fait longtemps qu'on a travaillé déjà ensemble, donc c'est normal. Oui, tu es une femme compétente, il faut le dire. Merci. Et professionnelle aussi. C'est grâce à vous, madame. C'est grâce à vous. Laïsselmec, toi aussi, tu es vraiment compétente. Salam alaikum. Alaikum. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai raté la formation avec vous. J'ai l'habitude d'être à chaque fois. Et est-ce, je me demandais, est-ce que c'est une formation qui sera enregistrée comme les autres? Oui, elle est enregistrée. Les autres, vous allez la trouver sur YouTube. Ouais. D'accord, okay. J'ai l'habitude de poser beaucoup de questions à monsieur Hicham. Aujourd'hui, j'étais absente. J'ai senti votre absence. Ouais. Merci. Je viens tout juste de terminer avec une cliente, donc dommage. Ouais, en plus, on a décalé d'une heure, on a commencé jusqu'à 17h. C'était beaucoup plus intéressant pour les clients. Ouais. Ah oui, dommage. Donc, je vais la voir sur YouTube, certes. Et la prochaine fois, je ne vais pas rater. Merci beaucoup. Inch'Allah. Donc, à mercredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, je vous dis tous au revoir et merci de nous accorder votre temps. Merci. Merci, Hicham. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci, Bouchra.
بدينا كنولفوا بعضياتنا كنولفكم في المكرودي مكرودي ان شاء الله مكرودي ان شاء الله سلام متحمس ان شاء الله merci à tout le monde.